Salut à tous, c'est Brady, on se retrouve sur Divinité 2. On est arrivé sur le bateau, hein, on a fini la quête des hurleurs et maintenant on est sur le bateau. Alors bon, ce qu'il faut faire alors quand vous êtes là, c'est déjà d'aller récupérer tous vos bonhommes parce qu'ils vont se séparer et il va falloir les retrouver dans le bateau pour recomposer à nouveau votre équipe. Donc bah, vous pouvez choisir d'autres bonhommes si vous avez envie, hein, mais surtout faut le faire en premier. Moi je l'ai déjà fait. Parce que après, ceux que vous n'aurez pas choisis vont mourir. Donc, c'est maintenant ou jamais de choisir vos persos. Hein. Donc là, on a eu à discuter avec Malady et puis Gareth. Hein. Il nous a raconté que le bateau, il avait un problème. Il était ensorcelé et qu'il ne peut plus bouger. Donc là, on va aller visiter un peu le bateau. Et puis, commencer un peu les quêtes. Alors, sur ce bateau-là, c'est ici que vous allez aussi avoir un miroir et vous allez pouvoir réattribuer bah, les attributs de vos bonhommes. Hein, si vous avez pas, si vous avez décidé de changer vos persos de catégorie, c'est le moment ou jamais. Hein. Donc voilà. Donc hop, on va commencer. Ah, les affiches, ça rapporte toujours quelque chose. Donc voilà, regarde un peu ce qu'il y a. Support de fiole, c'est quoi? Ouais, des potions, ça tombe bien. Ça tombe très bien. Donc voilà, alors il y a plein de trucs dans le bateau. Hein. Donc faut bien fouiller. N'hésitez pas. Tout ça, ça va se revendre, hein. De toute façon, c'est pas perdu. Encore une affiche. On l'a déjà lu, non? Le ragoût. Pas mal de trucs, hein. Bon, ça sert pas à grand chose. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de par là. Bon, là, il y a un coffre. Si vous laissez des trucs, ils seront pas perdus. Vous les récupérez après. Baliste. Bon, il n'y a rien. Pour rien. Ok, bon, allez, ce côté-là, c'est bon. Culotte, pas besoin. Ouais, je parie qu'il y a une culotte. Alors, pas grand-chose par là. Oh, c'est bon ça. Ça peut toujours servir. Ouais, y en a de la bière là. Y a de quoi faire une bonne soirée là. Bon. On a fait le tour là.
regarde encore, mais... bon, je pense que c'est bon. Donc maintenant, on va aller à l'autre étage. Enfin, on va descendre. Si je retrouve le chemin, bien sûr. Donc c'est là. Donc là, vous voyez, là, on arrive devant une porte. Alors c'est une porte magique, hein. Parce que bon, le bateau, il a un esprit, donc. Pas prendre le tableau. Ok, là il y a une planche là. Bon, je l'ai déjà fait. Voilà. Donc là vous arrivez devant le miroir. Hein. Donc là vous pouvez changer vos attributs de perso. Hein. Ouais, ça fait comme la création de personnage. Donc vous allez pouvoir refaire toute votre équipe. Hein. Donc pensez à bien sauvegarder avant. Si vous vous trompez. Et donc là, on va arriver à la prison. Donc là, c'est là où il y a Alexander. Alors, on va essayer de lui parler. Je sais pas si on peut, là. A young magister paces around the brig, fussing over Alexander's unconscious form. She notices you observing her. She straightens her. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel, Lady Vengeance. That's all the information I'm giving to any of you lot. So stow your questions, elf. Alors, on va dire la deuxième. The magister falls silent, but stares at you with unwavering defiance. Donc là, on va tendre les doigts. Bah après, vous faites par rapport à vos dons. Hein. Bon, je vais tendre les doigts vers Alexander tout en disant très bien joué à dos par sa faute. Donc ça a réussi. There's a shift in the magister's expression, a flicker of doubt. Then I'm a good magister, loyal, but Dallas, something about her has changed. She's toying with dark magic like a common sorcerer. She used to sing to the ship. Donc là on apprend qu'à chanter pour contrôler le navire. She had this old book of hymns and incantations. Il y avait un vieux livre. In her hands, or else locked away in her cabin at the stern. Gardé sous clé dans sa cabine. Ok. Donc là, on va essayer de parler avec elle aussi. Là. Oh, that magister to talk. Oh, good work. I knew she'd crack eventually. On va lui demander d'ouvrir. Good luck getting anything out of either of them. Our special guest is out cold. And the other one ain't in much of a talking mood. All right then, just don't make me regret it. Allez, ouvre. Ouvre ma petite. Hope you find something useful. Voilà. Maintenant, on va parler avec Alexander. Get away from him, sorcerer. That's the divine. On va lui dire, lui faire remarquer. Voilà la première.
J'ai encore réussi. All right. Don't harm him. I'll be watching. Voilà. Donc maintenant on va lui parler. Bishop Alexander lies supine on a bare wire cot. Though unconscious, his eyes are only half closed. His swollen jaw hangs open at an odd angle. Bruises swell beneath his eyes, and a shallow gash zigzags from his right ear down to his beardless cheek. Unconscious, he looks more boy than bishop. Someone has wiped the bishop's hands clean and folded them neatly over his abdomen. They rise and fall in shallow, jagged swells. A beautiful six-sided gem rests on voilà. The bishop's chest. Là, on arrive. Donc, à partir de cette phrase-là, là, vous faites récupérer la gemme qu'il avait autour du cou et la glisser dans votre poche. Voilà. The gem sits heavily in your pouch. Donc là, on a récupéré une gemme. Ça va nous servir. Voilà. Donc là, on s'en va. On va aller là où il y a la porte magique là. Voilà. On va lui parler. The door seems like any door, at least at first. Then you notice its unblemished wood. There is no knot, no scratch, no dent to detract from its apparent perfection. Donc là. Allez, on va lui dire érudit là. Vous avez lu des choses sur ce genre de porte. Allez, the wood on va groans voir. And creaks. A face appears in the wood, tortured and tormented. A six-sided indentation is carved on its forehead. The face vanishes. Donc là, on va brandir la réponse. Là, c'est on va brandir la gemme que vous avez prise à Alexandar devant la porte. Voilà. The anguished face appears once more. It dips its forehead towards you and waits. On va présenter la gemme devant la forme hexagonale. A shudder of pleasure racks the figure in the door. It seems to breathe. All of a sudden, all anguish is gone. It gives you the sternest of looks. Allez. I am summoned. Speak the password. Alors, on va lui dire le mot de passe force dame, je crois. On va lui dire ça, force dame. Yes. Voilà. Yes again. Du coup, on a réussi à ouvrir la porte. Voilà, on a gagné 3600 d'XP. Alors, on va la refermer. Ok, bon, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Hein. Là, je peux vous dire qu'on va trouver plein de trucs. Bon, il y a des trucs à prendre là. Voilà. Là, on va être refait là. Ok, cool. Moi qui avais besoin de potions là, je pense que je vais être gâté. Ah. Faire des potions pendant franchement ça tombe trop bien, j'en avais plus. Allez hop, ça c'est bon. Allez, on continue à fouiller.
he clicks together two halves of some type of gauntlet sitting in his lap and turns his full attention to you. And there. Rescued at last, am I? To whom do I owe my thanks? Okay. I'm a prisoner, of course. Do you think I'd be sitting here calmly if I was a magister? That infernal Dallas woman left me trapped here, too weak to escape. Dallas took her particular interest in. She kept me here to do her bidding. Until you took her flagship from right under her nose. Oh, yes. She could be a most. He extends his arm. She used some form of domination device on me. On compatira à son malheur. So why don't you tell me all about my valiant rescues? To whom do I owe my thanks? You undersell yourself. The roster of those who stood up to the magic. I ought to continue what I'm doing here. Unless. Oh, cast spells. Tinker with relics. He clicks the gauntlet for that damn contraption that she used on me. Seems to fuck. Ah ouais, il a plein de trucs à vendre déjà. A blur. Alors, qu'est-ce que j'ai pas moi? Ça, je l'ai pas. Beaucoup de choses, hein. Là. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour moi? Ça, je l'ai. Ça, je l'ai aussi. Ah, l'épée, là. Dégâts de tranchage. Pas mal, ça. Je l'ai. Désir de mort, je l'ai. Ouais. Bon, en tout cas, il a plein de trucs, hein. No! His face abrupt. But come now. I'm afraid I cannot tell you what I do not remember. Allez, on va passer le fil de cuivre. His sleeve slips back. Perhaps my memory will come back with time. But for now, I'm afraid there's little more I can add. Allez, on va passer à autre chose. I'm doing my utmost to be civil to you. Under rather trying circumstances. Why must you push me like this? Alors, il y a... You're painting me into a corner here, friend. And I don't like to be cornered. Alors, il sert là-bas. He takes your hand in his gauntlet clad fist and shakes it. Pas trop envie de se battre pour l'instant. Consider me at your service. Alors, on va lui dire qu'il peut avoir confiance en nous. Why should I tell you anything personal? On va lui dire qu'on est sur le même bateau. But I have nothing revelatory for you. I am as you see me. This piece is far beyond what those wretches could muster. The magisters left me weakened, but this will help give me the strength to carry on my work. I must admit, despite what you did to me, so if you should cross paths again, be sure to leave. Ok, allez, on a parlé avec lui, là c'est bon. On va prendre tout ce qui reste. Là, il y a une lettre. Donc à mon avis, c'est la lettre qu'on cherche. Ah, il y a une pyramide de téléportation, ça c'est pas mal. Voilà. Ah, il y a beaucoup de trucs, hein. Franchement. Oh, allez, j'en trouve des trucs là. Pas mal.
thought Rivellon was flat. And you thought Rivellon was flat. Là, à mon avis, c'est le livre qu'on cherche. This is written in ancient lizard script. It appears to be a song. Ah, c'est le livre pour commander le bateau, je crois. Allez, hop. Deux nouvelles recettes. I've spotted something. Ouais, il y a une trappe. Allez, on va aller voir la trappe là. On va y accorder des trucs à prendre. Il y en a des trucs, hein, là je vais être riche. Hein. Donc à mon avis, voilà. Ah ok. Bon, déjà petit combat. Ça faisait longtemps. Il m'a bien enchaîné, hein. Il m'a bien enchaîné. Ok, du coup, je suis bloqué ou quoi? Quand même pris cher, hein. Hop, qu'est-ce qu'il y a pour me soigner là? J'ai rien du tout. Coup critique en plus. Oh, je me fais défoncer. Hein. C'est vraiment pas bon pour moi là. Je crois que je vais remonter. Parce que là, je suis mal. Hein. Voilà. Ah non, j'ai pu. Ah ouais. Ils sont passés où tous les autres là? Ils sont pas rentrés avec moi. C'est pas cool ça. Ils sont restés devant le miroir. C'est pour ça que je me faisais défoncer là. J'étais en train de. Ah les gars, alors, bande de lâcheurs. Allez, on y go. Vous croyez que je vais être le seul ou quoi? J'avais même pas calculé en plus. Bon, du coup, on va y aller, on va les défoncer, hein, parce que là, ici, ils se la racontent un peu. Hein.
Ça va pas être la même histoire maintenant. Voilà. T'en veux, on va t'en donner de l'action. Tiens, allez, prends ça dans tes dents. Franchement, ils sont bien balèzes, hein. Ils sont bien balèzes. Ah, tu fais mal le malin, hein. Allez. C'est plus la même partie là, hein. Là, ils ont des bons pouvoirs. Ok. Allez. On va essayer de lui péter son armure à lui là. Quelqu'un pour encore lui là qui est bien ou lui, ça sera plus lui. Voilà, ok les garçons. Vous voulez que je me fâche en fait? Ah, pas de soucis. Bah, franchement, ils sont balèzes. Hein. Là, j'avoue, 2900 quand même. Hein. Donc c'est pas des petits bébés. Hein. T'occuper de lui quand même. Ouais, je crois qu'on peut te dire adieu là. Fallait pas nous chercher. Ah, évidemment, je peux pas. Comment ça se fait que je peux pas? Ah, c'est parce qu'il y a les totems. Allez. Dis bonjour à mon bouclier. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant qui cachait comme ça là ?
doit bien y avoir quelque chose. Hein. Ouais, ils avaient rien sur eux en plus. Pas terrible. Ok, ça vaut rien ça. Non, ça vaut rien. Ah, pyramide de téléportation, ça c'est pas mal. Alors, bureau. Feuille de papier, ok. Un parchemin, ok. Ils avaient vraiment rien sur eux, hein. Pourtant ils étaient balèzes. Hein. Je pensais quand même avoir quelque chose de bien, quoi. Bon, y a que dalle aussi là. Je m'attendais à mieux quand même. Bric à brac, qu'est-ce qu'on affiche? Ah, livre de bord. Ah, c'est peut-être ça qu'on cherche. C'est chier que je cherche un livre. Pour une. Dark. Toucher la pyramide. Ok. Bon. C'était pas ça. C'était pas ça. Bien dommage. Donc bah, c'était pas indispensable de les tuer, hein, mais. Oh, allez, allez. Moi, je suis étonné quand même qu'il y avait vraiment pas grand chose là-dedans. Peut-être là, faut fouiller encore là. Ah, vieille clé, ça peut être pas mal ça. Ah bah tiens, je le voulais ça là en plus, ça tombe bien. Bon, on n'est pas venu pour rien quand même. On va continuer à fouiller un peu là parce que. Ah, il y a un paquet de trucs à fouiller quand même. Ok. Voilà, ça peut servir. Ah, pas mal ça. C'est quoi ça? Ok. Ça c'est bon ça. J'ai pas lu le livre mais bon. On va dire, on va être refait en trésor. Hein. Ça va me faire de la lecture. Alors je crois qu'on peut parler au chat, il me semble. Mais je sais pas si j'ai pas changé, vu que j'ai changé mes persos tout à l'heure. Je me rappelle plus si j'ai encore talent d'animaux là. Ah, allez, voilà. On va y arriver quand même à trouver ce qu'on cherche. Ok. Allez, vas-y, feigne toi. Doué pour crocheter, ouais. Oh, c'est pas mal ça. Allez, hop. Donc c'était ça la clé, hein. Voilà, journal. Bon, c'était juste ça en fait. Toujours pas trouvé ce qui fait avancer le bateau. Alors, on va essayer de parler au chat là. Il me semble qu'on peut lui parler. Don't touch me. My very being was dark when that wretch
wretch that rendit me miserable. On lui demandait si c'est le chat d'Alice. On va lui dire que Dalis nous envoie pour démarrer le navire. The cat begins to purr and rub itself on your ankles. Any friend to Mumsy is a friend to me. I believe the song is around here somewhere. On va lui demander où il faut chercher. In the direction of over there. On va demander de quelle chanson elle parle. Trouble not my weary mind with dancery. The cat purrs. Tell Mumsy to come back soon. Now that I have. Donc on a toujours pas trouvé cette fameuse. On va bien finir par la trouver. Hein. En tout cas, il y en a des choses. Hein. Franchement. Alors, comment on faisait déjà pour ouvrir ça? Bon, on va essayer de se téléporter, hein, je pense. Hein. Ça, je pense que ça va être le mieux. Allez, hop. Allez, il est bon, Fang, pour ça. Alors, bouton. Voilà, comme ça, il a ouvert la porte. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Ok. Oh, c'est pas mal ça. Espadon. Ok. Ah, là, bah, y en a des trucs là. Allez, on embarque tout. Yes. Voilà, t'adores. Bon, on a fait jackpot quand même. Hein. Bon, par contre, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas trouvé le fameux. Cette fameuse lettre ou ce livre là qui aide avec la chanson qu'il y a. Alors, elle doit bien être quelque part, mais où? Encore des trucs là. Bon, tout ça on l'a fait. Ça. On va le prendre. Je réfléchis où c'est qu'il peut être. Hein. Bien où elle est. Ah, le chat là, dis-moi où elle est. Il veut pas me le dire.
Il y a un truc ou quoi? Aller revoir en bas, mais ça m'étonnerait quand même. Je l'aurais vu. Il y a l'air d'avoir un truc sur la... Voilà. Alors là, franchement, il me semble pour moi, elle était dans le dans la cabine. On va leur parler à lui. These are tense times. Is there something you wanted? On va remonter sur le pont. On va remonter sur le pont. Je vais essayer autre chose. Ça fait longtemps que je l'avais fait, cette quête-là. On me demande s'il faut pas parler... There you are. I was just thinking of you. Ah bah, on l'avait trouvé, le livre. Naughty lizards. On l'avait trouvé, donc il était bien dans la cabine. And I suppose that rune on the figurehead was as well done. Go on then, sing it to the figurehead and get her to sail. Allez, on va dire, on va prendre le contrôle. Bon, c'est toujours pas ça. Je sais pas. You made it. À un moment, j'y ai cru. Ah, ça se trouve, je crois me souvenir. Je crois me souvenir. C'est à l'avant. Il me semble que, ouais, faut lui parler à elle, je crois. Oh, ouais. Voilà, Dame Vengeance. Voilà, donc on lui parle à la tête là du bateau. Donc alors, on va lui dire quoi? Chanter la chanson. Allez, on va lui dire ça. Chanter la chanson du livre que vous avez trouvé dans l'entrepôt. Et voilà, on a réussi. You are not the witch. You are not Dallas. You sang the song. Now you must decide my fate. Are you to be my new master? Là, on va lui dire quoi? On va lui répondre. Ok. Ouais, déjà la première. I am here to serve in all ways. On va lui dire qu'il est fait d'un arbre ancestral. But I do not see myself. I was at that time has passed. I saw that forest reduced to a dead place. Then I was taken away.
My memories were lost, like the leaves from my branches. Thanks to the great calamity of our people, the Magisters. They tainted our soil with death fog, and they tore me apart and turned me into this monstrosity. Je vais dire que vous êtes prêt à prendre votre décision. Je sais pas trop. The ship's awake. Good. Is she ready to sail? Her fists suddenly clench into balls. Proceed forward, Godwoken. We don't have forever to bob here like dead ducks. The order is coming for you, and I might let them have you if you do anything. The ship is awake. Donc voilà les amis. Donc bah si vous continuez bah parler à la tête, hein, vous allez enclencher une cinématique. Moi je voulais juste passer cette quête là pour vous la faire voir, hein, comme ça pour ceux qui étaient un peu paumés et qui n'arrivaient pas à aller dans la salle du trésor, vous savez déjà arrivé, donc je comprends. Et puis la quête, elle n'est pas forcément facile. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour aider un peu. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut !